Cette fois, je vous retrouve pour partager avec vous ma routine de cet hiver. Et oui, je vais changer ma routine. Je vais diminuer la fréquence de lavage de mes cheveux. Je vais éviter de les laver très souvent et les protéger un peu plus durant cet hiver. Alors, comment je vais procéder? Déjà, je ferai un shampoing le mois. Ce sera mon shampoing au savon noir que j'ai revisité. Je ferai un après-shampoing. Je vous laisse regarder également comment je vais procéder. Ce sera soit avec mon après-shampoing simplissime ou alors avec mon masque, mon soin deuxième gamme suractivé que je ferai également une fois par mois. Vous l'aurez compris, je ferai deux lavages sur le mois. Un, ce sera un shampoing et l'autre, ce sera tout simplement un co-wash. Donc, j'utiliserai uniquement un après-shampoing. Bien entendu, il y aura le prêt pour l'après-shampoing et puis le lavage définitif, le rinçage et le lavage définitif. Pareil, quand j'utiliserai mon shampoing au savon noir, je ferai d'abord un pré-poux. Ensuite, je laverai mes cheveux avec mon shampoing au savon noir et après, je poserai mon après-shampoing ou mon masque deuxième gaffe suractivée. Durant cet hiver, je ferai des coiffures protectrices. Je ferai ce qu'on appelle African Threading. Ce sont des tresses au fil, mais je n'utiliserai pas notre fil. Vous savez, notre fil de base. Attendez, je vais vous le montrer. Voilà, c'est ce fil-ci. Je n'utiliserai pas celui-là. Tout simplement parce qu'il assèche les cheveux, du moins à moi, il m'assèche les cheveux. Et à la place, j'utiliserai celui-là. C'est du fil acrylique qui a été partagé d'ailleurs dans mon groupe. Je vous ai dit, dans ce groupe, on partage beaucoup. C'est comme des mèches de cheveux, mais c'est du fil acrylique. Je vais vous mettre une photo par là pour voir un peu les tresses que ça fait, voilà, ce que ça donne quand on se fait des tresses au fil avec ce fil acrylique. Pour ma vidéo de bilan challenge, c'est ce fil que j'ai utilisé pour m'étirer un peu les cheveux, tel que vous pouvez le voir. Ensuite, qu'est-ce que je vais repartager avec vous? Il faut protéger nos cheveux quand on sort l'hiver. Et pour cela, j'ai une astuce que je vais partager avec vous. Elle va être très simple. Elle est pratique. Et par contre, elle est vraiment pratique. Ce que vous allez faire, vous savez, nos cheveux sont très fragiles l'hiver. Pour les maintenir au chaud, ce qu'on va faire, c'est que j'ai toujours fait, je n'ai pas pensé à partager cette astuce. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre notre pied de bas ou de collant. Il ne sert pas seulement à filtrer nos préparations, mais il va servir également à nous garder les cheveux au chaud quand on fait nos petites sorties l'hiver. Ça, c'est mon pied de bas. Excusez-moi. Ça, c'est mon pied de bas. Vous voyez? C'est une paire, hein, voilà. Le deuxième pied, c'est celui-là, je l'ai coupé en fait. Et puis j'ai fait juste un petit nœud pour pouvoir l'enfiler. Je vous montre facilement. Je lâche ma coiffure, c'est pas grave, je vais me faire un shampoing tout à l'heure. Donc je fais un truc comme ça pour aller travailler. Je mets mon bas sur la tête et ensuite je le recouvre avec mon bonnet. Et là, je suis incognito. Je vais travailler comme ceci. Si je garde mes cheveux, bien sûr, au vent, hein, ce qui ne sera pas le cas, j'aurai toujours ma coiffure protectrice. Et puis, allez, arrive au travail, j'enlève tout simplement. Je me recoiffe. Et puis, ni vu, ni connu. Voilà. Ça, c'était la petite astuce. Donc, vous pouvez ne pas couper votre pied de bas aussi, voyez, et l'enfiler tout simplement. Comme le pied de bas que vous avez coupé. Celui-là, je ne vais pas le couper non plus, hein, parce que j'ai déjà coupé le premier pied. Si vous voulez, vous ne le coupez pas, vous l'enfilez pareil. Vous l'enfilez pareil. C'est un peu plus compliqué, mais bon. J'ai pas envie de gaspiller. Voyez. Faites pareil. Voyez. Pareil. Et vous voilà. Sorti. Incognito.
Ça, c'est des astuces diverses que toute nappie qui prend soin de ses cheveux devrait connaître. C'est bon pour l'astuce? Alors, je me mets encore un tout petit peu au chaud, vous voyez? Voilà. Et c'est parti. Voilà pour la routine d'hiver incognito. Il n'y a que mes cheveux là-bas à l'intérieur qui seront ravis. Voilà, et je suis la seule à savoir, et vous aussi bien sûr maintenant d'ailleurs, que sous ce bonnet se cache un pied de coulant pour maintenir au chaud les cheveux. Voilà. Alors, troisièmement, je ferai une coiffure protectrice au fil, avec le fil comme je vous l'ai montré. Je ferai des tresses aussi d'ailleurs avec ce même fil. Je vous montre également par là, vous verrez. Pour l'hydratation au quotidien, je ne la ferai pas tous les jours parce que maintenant j'ai compris comment je dois hydrater mes cheveux pour qu'ils durent assez longtemps. Durant cet hiver, je vais utiliser la lotion Beauté d'Afrique. C'est celle-là qui va m'accompagner tout au long. Si vous ne l'avez pas, petit lien, ou alors faites un tour sur ma chaîne et vous trouverez la lotion Beauté d'Afrique. Pour sceller l'hydratation de mes cheveux après avoir utilisé la lotion Beauté d'Afrique, j'utiliserai mon baume lissant et protecteur que j'ai partagé bien sûr dans mon groupe L'Univers Nappy. La texture elle est onctueuse et très agréable. Donc c'est simple, si vous voulez avoir la recette de mon baume, la recette elle est sur mon groupe L'Univers Nappy. Ce baume, il permet de maintenir l'hydratation aussi longtemps que possible. Donc moi, je ferai des retouches. Je dis retouches parce que quand je fais mon soin le dimanche, la deuxième semaine, après avoir rincé mes cheveux à l'eau vinaigrée, je mets mon baume. Après le baume, je vais mettre ma crème hydratante, la crème de jour. J'en ai deux d'ailleurs, je vais vous les montrer. Ça, c'est la première que j'ai publiée sur ma chaîne. Elle est géniale. Elle va fortifier et hydrater, aider à maintenir le cheveu durant longtemps. Et la deuxième, celle que j'ai partagée sur mon charmant univers. Bien sûr, je ne cesserai pas de vous le dire, celle que j'ai partagée dans mon charmant univers. Si vous voulez connaître la recette, faites la demande d'adhésion. Elle est à l'huile de palmiste. C'est juste un régal pour les cheveux. Voilà. Sans publicité, franchement, je ne les vends pas. Je les partage avec vous pour que vous puissiez vous aussi aider vos cheveux à retrouver l'hydratation, voilà, et de la maintenir plus longtemps. J'espère n'avoir rien oublié. Je vous fais de très 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 gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux. Je suis sur Instagram. Je suis également sur Snapchat sous le pseudo de Rosie Mouna. Ils ont poussé. Ils ont poussé. Ils ont poussé en tout cas. Allez, maintenant je vais faire mon soin mensuel. Ce sera un soin.